Ouais, c'est remarquable. En venant agresser Del Roto, Rafael Nadal, en lui donnant jamais le même style de points, là il va peut-être pouvoir gêner le numéro mondial. Qui pose un peu plus le jeu, donc c'est peut-être là le moment où... Il est parfait ce coup droit. C'est bien joué ça. Oui, Julien. Ah oui. Mais oui. Ah, dommage. Oh, mais c'est magnifique. Là, il a pas su quoi faire, il a vraiment pas su... On a une de sauver. Allez. Oui, Julien. On l'a un peu chaud. Allez, maintenant faut le conclure ce premier set. Allez. Ah, c'était bien servi en deuxième balle. Balle de set pour le français. Oui, Julien, c'est bien enchaîné. Donc la dimension physique va être très importante. Ouais, tranquille. Mais bon changement de rythme là. Ouais, oui. Il est beau. Oui. Hey!
Ouais, il a hésité à venir au filet. Ouais, il a pas. C'est impeccable. Oh oui! Oh, il est oui, magnifique. Oh, là, il s'en sort. Voilà, bien joué ça, Julien. Oui, Julien, une nouvelle bien. Fois. Non, il a pas osé. Il a pas osé, Julien Beneteau. Ah, il a pas osé vraiment s'engager dans la frappe. À plusieurs reprises, il pouvait prendre le filet. Au service pour attaquer ce troisième set face à Nadal. Non plus 1 minute 30 que Julien va récupérer. Ça va être dur là. Mais c'est même impossible. Oh, le beau retour. Balles de break chacun. Joli. Oh, elle est belle. Oh, elle est belle. Oh, superbe. Ouais, ça sort. Et la première est la bonne. Le point levé de Rafael Nadal, certainement soulagé de cet épilogue et d'une qualification pour les quarts de finale face à un très bon Julien Beneteau sur les deux premiers sets avec une balle de match. Pour le français, dans le tie-break du deuxième set sur la balle de match, il n'y a vraiment rien à faire face à un Julien Beneteau qui ensuite physiquement a été vraiment victime de crampes. Et là dans le troisième set face à Nadal, c'est impossible. Oui, je pense qu'il faut vraiment garder les aspects positifs de ce match pour Julien. C'est les deux premières manches. Après voilà, c'est qu'une question de physique. Je l'ai expliqué, c'est l'accumulation de ces matchs. Et une fois de plus, moi c'est pour ça que j'admire Rafael Nadal, c'est que... Nadal, pardon, c'est mentalement. C'est de la balle. C'est de la balle, Nadal. C'est qu'une fois de plus, il est très très fort mentalement. Il s'en sort et il est toujours présent. Même si le tennis n'est pas forcément là, il est toujours là en course, mine de rien. Ah, Agathe, on a bien pensé tout de même, hein, un point près, revivre ce qu'on avait vécu avec Julien à Bercy face à Federer. Mais voilà, là en face, c'était Nadal.